Bonjour, bonjour. Donc, bonjour, bonjour et bonjour. Je voudrais qu'on parle de 2024. J'insiste beaucoup dans mes dernières vidéos par rapport à cela parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu des gens qui vont vous diriger. Donc, vous avez là où vous êtes actuellement, c'est par accident. Je voudrais vous apprendre à arriver à des destinations que vous avez voulu, que vous avez planifié, que vous avez désiré. Voilà. Voilà, ça c'est un de mes produits qui attire l'argent. Ok. Ce produit, ça s'appelle quoi là encore là? Embellis-moi. Voilà, embellis-moi. Ok, donc, je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je suis en train je vais parler aujourd'hui. Je demande l'inspiration divine pour pouvoir apporter des réponses à vos questions et surtout que votre esprit se recentre pendant que je parle. Que votre esprit se recentre, ok? Parce que beaucoup d'entre vous, le problème que vous avez, c'est la concentration. Le problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à dire que vous allez faire quelque chose et vous tenez. Pour réussir son année 2024, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider. Ce n'est même pas des astuces, hein, c'est des plans. Je rappelle qu'on a un atelier le 23 décembre, de 18h à 22h. On a un atelier pour planifier 2024. Donc, je viens d'abord vous rappeler qu'on ne peut pas arriver là où on n'a pas vu. Tu ne peux pas, et même si tu ne vois pas, même si tu ne planifies pas, là où tu vas arriver ne sera jamais quelque chose
d'aussi bien que si tu t'étais assis pour planifier. J'espère que vous comprenez. Si tu ne planifies pas ta vie, là où tu vas te retrouver ne sera jamais aussi bien que si tu t'étais assis pour dire, essayons de voir là où je vais arriver. Donc ceux qui voudront aller en profondeur dans ce que je vais expliquer, vous achetez le cahier de vision. C'est un des livres que je vends. C'est un de mes bouquins que je vends. Et la deuxième chose que vous pouvez aussi faire, c'est de venir à l'atelier. On a un atelier de planification qui aura lieu le 23. C'est difficile, c'est pour ça que nous sommes en train de... C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens. Vous n'êtes pas venu ici seulement pour regarder d'autres personnes réussir. Parfois, tu te mets comme ça, tu regardes les gens passer avec les grosses voitures. Et tu te sens... Tu as un sentiment d'impuissance. Tu as l'impression que... C'est comme si tu es venu accompagner les gens. Maintenant, parfois, il y a des personnes qui vont venir pour te consoler. Les personnes vont te dire, oh, tu sais, on n'est pas sûr, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour avoir leur voiture. Tu ne sais pas, peut-être, ah, on ne sait jamais. Peut-être que la personne-là, peut-être qu'elle est partie même tuer quelqu'un pour avoir une belle voiture, on ne sait pas. Ça, ce sont des excuses que la pauvreté ou les pauvres ou les mauvais environnements pauvres dans lesquels vous avez été. Ce sont les excuses qu'ils vous ont données. Excusez-moi, j'ai envie de mettre le truc sur mes lèvres. Donc, supportez seulement. Voilà. J'aime bien l'effet mati parce que ça empêche que mes lèvres se sèchent à longueur de journée. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver et bienvenue. D'habitude, je viens ici, je prophétise. Aujourd'hui, je vais appeler la partie logique de vous, vous qui m'écoutez. Je suis une femme spirituelle, je prie pour les gens, je délivre les gens, mais j'ai aussi, je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Je suis installée dans 3 pays. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de planification de son année. Et j'ai bien dit que j'ai un atelier qui va se passer le 23 décembre de 18h à 22h. Il y a des personnes qui ont parfois peur d'acheter mes services parce que j'ai déjà une étiquette de sorcière en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me dérange pas. Maintenant, ceux qui m'écoutent et qui comprennent ce que je dis, vous saurez que vous connaissez de quoi je parle. Merci Nati. Vous savez de quoi je parle. Et vous savez, ceux qui ont déjà commencé à mettre en pratique 2-3 choses que j'explique, vous savez que ce que j'ai dit marche. Je ne ferai pas l'atelier en présentiel. Je ne fais aucune chose en présentiel. Être en Europe aujourd'hui, ça ne fait absolument rien. Ça ne bloque rien dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de choses que je fais, c'est en ligne, à distance. Avec le corona, si quelqu'un dit qu'il ne fait plus quelque chose parce qu'il n'est pas là en présentiel, je crois que quand le corona était là, tu n'étais pas encore né. Bon. Je suis convaincue que
peu importe ce que tu fais actuellement, même si tu n'as pas d'activité, même si tu vis dans un endroit où tu n'as pas d'argent, tu n'as, peu importe, tu peux développer des activités, multiplier tes revenus, devenir millionnaire, milliardaire, peu importe. C'est un processus. C'est rare de voir quelqu'un qui va te dire qu'il est devenu milliardaire par erreur. Votre problème, c'est qu'on vous a fait croire que la vie, c'est le fruit du hasard. On t'a laissé, tu es parti à l'école, tu finis le bac, tu sais pas ce que tu veux faire. Ça, c'était mon cas. Tu finis le bac. J'ai composé le bac, je savais pas ce qu'il voulait faire. Je finis là que mon père dit, oh, je voulais t'envoyer en Belgique. Mais bon, va quand même à l'université là-bas en attendant. Je ne vais pas en Guayaquil, je fais 2 ans. La planification ne vient pas avec l'âge. Tu peux avoir 53 ans ici, là. Tu ne connais toujours pas planifier. Chaque année, tu répètes les mêmes choses. Tu veux construire la maison au pays. Depuis 10 ans que tu dis ça. Je veux acheter le terrain. Depuis 10 ans que tu dis ça. Tout se planifie. Tout se planifie. Même le direct, si. Je sais ce que je vais vous dire. J'ai planifié. C'est pour ça que je suis assise ici en train de vous parler. Et si tu te lèves ce lundi, tu n'es pas en train de faire. Partir au boulot, ce n'est pas planifier sa vie. Le travail que tu as là, ce n'est pas parce qu'on t'a pris comme caissière. Tu te vois à 70 ans en train d'être caissière. C'est de ça que je vous parle en fait. Ce n'est pas l'école qui va t'enseigner ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. Ce n'est même pas ta mère qui va te dire ça. Vos mamans, ta mère, elle ne connaît pas. C'est le 20 décembre que ta mère va te dire qu'on ne peut pas croire le 25. Parfois, c'est même le 23. Malheureusement, en tant qu'Africain, on ne nous a pas donné les bonnes cartes dans la planification. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai commencé à prendre des formations, que j'ai compris que tu peux planifier où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est possible. Donc, peu importe l'âge où tu m'écoutes, peu importe le pays d'où tu m'écoutes, le pays. La plupart du temps, quand on vous fait aller en Europe, on vous dit comment planifier. C'est le but de mon direct. Si ça ne t'intéresse pas, tu pars. Comment planifier? C'est comme ça. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir pour écouter. Je vous ai dit que là, quand ils vous disent qu'ils veulent faire un atelier pendant 4 heures de temps, tu crois que les 4 heures de temps, là, on va faire quoi? On va planifier. TikTok vous a habitué aux vidéos de 30 secondes. C'est pour ça que tu écoutes, ça te plaît, mais tu ne fais rien. Parce que l'énergie de 30 secondes n'est pas suffisante pour te faire changer de cap. L'énergie de 30 secondes n'est pas suffisante. Tu dois t'asseoir assez longtemps pour laisser les idées venir à toi. Tu dois t'asseoir assez longtemps pour voir qu'est-ce que je veux faire. C'est pour ça que ceux qui sont impatients, ne me suivez pas vous. Ne me suivez pas. Les impatients, ne me suivez pas. Ceux sur qui je travaille, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Tu dois comprendre que peu importe le pays où tu te trouves, parce que beaucoup d'entre vous, on vous avait envoyé en Europe. En te concernant de partir en Europe, tu croyais que quand tu vas arriver là-bas, ta vie va réussir. Tu te rends compte que tu arrives, on te montre les métiers, les options de métiers que tu as. Les options. Chanel, je te bloque. Tu as les idées, mais laquelle choisir, je vous connais. Bloqué. Ok. Je ne pense pas que tu as besoin de ma vidéo. Tu arrives en Europe, on te dit, soit tu vas nettoyer le sol, soit tu vas... Les options qu'on te donne, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous arrive en Europe un jour, on lui a montré comment il peut devenir milliardaire en étant en France.
La plupart du temps, après avoir dépensé beaucoup d'argent, tu as atterri en Europe, dépensé beaucoup d'énergie, tu as atterri en Europe. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, tu peux devenir caissier là-bas en attendant. Hein? Après, tu cherches comment avoir les papiers pour que le gouvernement te paye. Voilà vos objectifs. Voilà tout ce que vous désirez là-bas. Pourquoi on te donne le CPAS, on te donne la CAF, le Home Office, le HM Revenue, on te donne tes petits 1000 euros. Ce n'est pas 1000 euros qui va te rendre milliardaire. Je suis arrivé en Europe, j'ai fait 13 ans en Bénin. Tous les trois pays que j'ai fait, chaque chose qu'on me proposait là-bas, j'arrive en Angleterre, on me dit de faire le cleaning. J'ai fait le cleaning. Je nettoie. Et je nettoie les bureaux des gens qui avaient l'argent. Je me suis rendu compte que la première chose qui manquait aux Noirs, c'était la vision. Deuxième chose, c'était de mettre une stratégie sur pied. Oui, Yvette, ça fait un an et demi que tu m'écoutes, presque deux ans même. Je pensais à toi ce matin. Je vends tout ce que vous voyez sur moi, ça je vends. Je vends tout ce que je porte, je vends. Je suis commerçante. Mais généralement, que mes métiers, c'est pour enseigner. Tout ce que vous voyez sur moi, je vends. Ça, je vends. J'ai même des collègues cachés ici, dans je vends. Voilà. Ça, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est le violet ici. Et puis, le truc, ça, c'est la tourmaline. Il y a des bagues de tourmaline aussi. Bon, vous êtes intéressé, vous contactez le numéro. Il y a le numéro sur la page. Ce sont des colliers de protection, oui. Pour canaliser son énergie, conserver son énergie. Bon, aujourd'hui, je parle de business et de concentration. Regardez mes autres vidéos, vous verrez. La connexion dérange ici. Hein. Ok, il faut aller sur Facebook. Donc, la première chose que tu vas comprendre, c'est que peu importe le pays où tu es, peu importe ce que tu as manqué comme avantage, à partir de maintenant, si tu planifies bien, tu vas commencer à voir les résultats dans 5 ans. 5, 8 ans, tu vas commencer à voir les résultats. Le plus dur au départ, beaucoup de personnes fuient la planification parce que c'est un peu comme si c'est trop dur pour eux. Comment tu veux que je planifie? Tu veux que je te dise que quoi? Tu veux que je te dise que quoi? Ah! Tu veux que... Ah! Je vous pose juste une question. Nous sommes en 2023, décembre 2023. Tu te vois où en décembre 2028? Tu as la foi, c'est bien. Essayez un peu de réfléchir par rapport à ça. C'est vide dans votre tête, non? Et même si vous me dites quelque chose, vous allez me dire quelque chose de vague. Essayez de me dire là, vous serez dans. Qu'est-ce que vous planifiez faire en 2028, décembre 2028? Parlez. Une grande dame d'affaires, directrice de ta société. Acheter le terrain et bâti. On demande une longue vie d'abord. Propriétaire de 10 boulangeries en Côte d'Ivoire. Chef de service de ta structure. Profitant de tes réalisations. Quelles réalisations? Bâti, mettre en location où? Tu seras à Dubaï en train de faire quoi? Voyager à travers le monde pour faire quoi? Quel pays? La santé avant tout. Attendez, je vais vous bloquer. Puissant chef d'entreprise. Quelle entreprise?
propriétaire d'un dépôt de boissons à Abidjan. Grande commerçante, grande femme d'affaires. Acheter le terrain bâti en ayant fait deux enfants. Avoir des maisons, être milliardaire. Donc ça va venir. Aller en Allemagne, c'est tout. Faire quoi en Allemagne? Faire des dons aux orphelins, quelle somme? Construire ma maison. Fondatrice d'une grande école où? Grande femme d'affaires aux US, c'est dans quoi? Tellement bonjour. Grande femme d'affaires. Quand vous dites grande femme là. Hein? Rita, tu veux participer? Ils ont dit que Rita veut participer. La nouvelle coach qui va avoir un network aussi important que celui de Oprah Winfrey. Agrandir mon entreprise de lait caillé. Importé en Chine pour le Cameroun. Est-ce que vous savez que même le rêve d'être en santé, même la vision de dire que je veux être en santé dans 5 ans. L'autre dit, je serai au Canada, rencontrer un blanc héritier d'une entreprise, ensuite me marier, avoir des enfants. Aller travailler au Canada et créer une entreprise au Cameroun. These are wishes. These are wishes. Ce sont des souhaits. Ce sont des souhaits. Partenaire de mise en marché d'une entreprise qui promeut la génération, la régénération cellulaire. La société vous a fait croire que ce qui va vous arriver dans votre vie, ce sera le hasard. Beaucoup d'entre vous, grandes femmes d'affaires, la Bible dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le soleil. Deuxième chose, prépare-toi pour les opportunités. Peu importe ce que tu veux devenir dans 5 ans, tu dois avoir un train, un fil. Tu dois avoir des actes que tu poses de façon quotidienne ou hebdomadaire à partir d'aujourd'hui. Qui vont grandir et t'amener là où tu dis que tu veux partir dans 5 ans. Tu as vu quelqu'un qui dit que je vais me marier l'été prochain. Supposons qu'elle va se marier dans 6 mois. Elle ne sait pas encore dans quelle salle. C'est peut-être 2 mois avant le mariage qu'elle commence à courir dans tous les côtés. En Angleterre, quand j'étais en Angleterre, quand les Anglais, c'était la coutume là-bas. Quand un Anglais te dit que we're going to get married. Ils ont déjà... Ils savent déjà la date de leur mariage. Dès qu'ils disent qu'on va se marier, le monsieur dit que Kanyo, do you want to marry me? Elle dit oui. À partir de ce jour-là, ils ont mis la date. Ils ont vu la somme dont ils ont besoin. Donc, ils commencent maintenant à économiser pour le mariage qui va se passer dans 18 mois. Normalement, avant de passer le bac, tes parents doivent déjà savoir. Quand tu es en première, tes parents doivent savoir dans quelle université tu vas partir. Ils doivent déjà avoir mis l'argent de côté pour ton université. Quand ton enfant a 5 ans, tu dois déjà acheter le terrain. Achète les terrains, s'il te plaît.
que tu vas vendre pour que l'enfant parte à l'université, qu'elle aura 17 ans, 18 ans. Ce qui fait que si tu achètes à 5 ans, tu as 11 ans pour multiplier ces terrains-là. Beaucoup d'entre vous, c'est le hasard. J'ai vécu dans le hasard dans ma vie. Beaucoup. Je ne connaissais pas. Peu importe ce que tu veux faire, tous vos projets, c'est ça demande l'argent, non? N'est-ce pas? Deuxièmement, c'est qu'un projet demande des formations. Ce que tu veux faire aura besoin d'argent et de formation. C'est-à-dire que la personne que tu es maintenant et celle qui sera chef d'entreprise, qui sera milliardaire, qui sera je ne sais pas quoi, ce sera quelqu'un qui connaîtra plus que ce que tu connais maintenant. Première chose, ton argent doit augmenter. Deuxième chose, tes compétences doivent augmenter. Voilà les deux priorités. Voilà les deux priorités. Même ceux qui veulent demander l'argent à la banque. Demander le crédit à la banque, ça se planifie. Je ne sais pas si j'ai un problème de connexion ici. Attendez, je vais essayer de voir. Facebook, vous m'entendez bien? TikTok, vous m'attendez, je vais changer le réseau. J'ai l'impression que le réseau se dérange. Today's a new day. When there is no sunshine. Bon, j'ai changé de réseau. Vous m'entendez mieux sur TikTok? I almost gave up. Fell from the sky, fell from heaven. So I smile. Ok. TikTok. Ok, vous m'entendez bien, c'est bon. Donc, on va rester sur ce réseau-ci là. Voilà. Donc. Ta plus grande force, ce sera de développer ta vision, d'apprendre à tes enfants à avoir la vision. Quand tu embauches tes employés, tu leur donnes la vision de là où tu pars. Je disais tout à l'heure que même demander le crédit à la banque, ça se planifie. Il faudra un apport financier. Il faudra un garant. Il faudra une garantie. Donc, si même pour aller demander l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose, et il faut que ton projet soit viable. Je pense que l'une des leçons qu'on devait enseigner à l'école, c'était la planification. Donc, tu dois comprendre qu'on a tous 24 heures. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures. Donc, ceux qui sont milliardaires, et croyez-moi, ce ne sont pas tous les milliardaires qui sont dans la sorcellerie. Ce ne sont pas tous les milliardaires ou les gens qui sont riches dans ta ville qui ont vendu leur corps aux gens ou vendu leur derrière. Il y a des personnes qui sont devenues riches par le travail, par la planification. La troisième chose dont tu auras besoin, ce sera de t'inspirer des personnes qui ont réussi. Donnez-moi quels sont vos modèles. Quelles sont les personnes que vous appréciez, qui sont vos modèles. Allez-y.
Voilà, Jeanne dit qu'elle est en train d'apprendre l'anglais pour aller au Canada. La planification appelle l'opportunité. Hein? Ta mère, ton père. Ta mère a quel... dis-moi un peu. Ta mère fait quel business? Ton frère et sa femme. Les modèles que vous avez. Faites attention de ne pas tomber. Parce que en ligne, je n'ai même pas encore sorti ma biographie. En ligne, on a beaucoup de personnes qui viennent vous mentir. Beaucoup. Donc tu viens comme ça, tu dis, ah, j'aime les vidéos là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est beau dans ses vidéos. Et qui te dit, il y a des coachs, il y avait même, il s'est Alex Hitchen, je ne sais pas trop quoi. Je voyais un truc comme ça sur TikTok récemment par rapport à lui. Non, j'ai telle somme d'argent. Ce n'est pas parce que tu vois que quelqu'un fait les voyages. Ce n'est pas parce que tu vois que quelqu'un fait les voyages qu'il a l'argent. Et avoir l'argent, ce n'est pas la réussite. Donc, vous devez absolument avoir au moins deux modèles. Étudiez la vie de ces modèles-là. Un modèle, généralement, c'est pour le caractère et la réussite. Le deuxième modèle, peut-être pour l'argent vraiment. Et encore, les accomplissements. Un autre modèle, tu peux dire, bon, j'apprécie cette personne parce qu'elle est mariée depuis 25 ans. Même quand elle dit qu'elle est mariée, là, tu ne connais pas comment c'est dans son foyer. Malheureusement, beaucoup de personnes que vous appréciez, vous ne connaissez pas l'intérieur de leur vie. Même moi, quand tu dis que je suis modèle, je suis flattée, certes, mais tu ne connais pas ma vie. Lady Sonia, est-ce que cette personne vous montre sa vie? Parce que le truc avec les noirs, hein, on nous flash facilement. On nous flash facilement. C'est parce que tu viens, je vois ici là. Tu vois, je suis bien maquillée. Je suis... Comment tu peux m'avoir comme modèle? Et je pense que les noirs cachent beaucoup leurs choses. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why. Aujourd'hui, tu peux connaître plus de la vie d'un Américain qui a réussi que d'un Africain qui a réussi. Parce que les Africains aussi sont un peu mesquins. Ils vont pas vous... Like, how can I say it? Ils vont vouloir donner les choses pour plaire aux gens. They're not going to give you the essence of things. Et merci, Michel. Les Africains aiment le tape à l'œil. Parce que tu vois un couple, ils sont là comme ça, là. Ils se mettent la nourriture dans la bouche. Oh, mon bébé, tu as bien dormi. C'est la mise en scène. C'est la mise en scène. Don't fall for that. C'est la mise en scène. Trouver deux ou trois modèles. Tu peux dire que tu apprécies ta mère. Si demain ta vie finit comme pour ta mère. Si ta mère au village, elle fait son chant. Si demain tu finis ta vie au village en faisant ton chant. Est-ce que ça t'irait? Parce que quand tu trouves un modèle, hein, va fouiller dans la vie de ce modèle. Dig, D-I-G, dig, creuse. Tu peux même écrire à la personne. Hein? Bonjour, tu vas d'abord sur YouTube, sur Google, tu essaies de trouver ce que tu peux. Bonjour, le Lady Sonia, je suis vraiment passionnée par toi. Je veux savoir comment est-ce que tu as fait telle chose. Comment est-ce que tu as fait pour être comme ça?
Tu es ton propre modèle. Hein. Ça, c'est une arrogance qui ne va pas t'amener quelque part. Tu ne peux pas être ton propre modèle, tu arrives quelque part. Je me mets cela seulement pour vous dire, celui qui veut le faire, celui qui veut ne le fait pas. Je m'en fous. Maintenant, une autre façon de connaître les modèles, c'est à travers les livres. Parce que dans le livre, il y a toujours que sinon quoi de neuf. Ça, c'est même qui ça? Attends, t'es bloqué. Ok. Tu vois là, il n'y a rien à faire. Tu penses que je suis en train de rien faire ici? Que quoi de neuf? Ok. Les livres. Tu ne peux pas dire que tu as un modèle. Tu ne connais pas, tu n'as jamais lu ce que le modèle a dit. Il y en a ici parmi vous, je sais que vous avez écouté déjà au moins 300 de mes vidéos. Si c'est Miles Monroe, fouille sa vie. Quand la personne s'est rencontré l'obstacle ici, il a fait comment? Quand il a buté ce mur, il a fait comment? Si c'est Jim Rohn, si c'est Louise Hay, Samuel L. Jackson, Francis Ngannou, peu importe, fouillez leur vie. Parce que vous êtes aussi très paresseux. Très paresseux. Donc les biographies vont t'aider à te donner la vision. Maintenant, peu importe le projet que tu as, je vous ai dit qu'il y avait, premièrement, tu as besoin d'argent, deuxièmement, tu as besoin de vision, troisièmement, tu as besoin de modèle, et quatrièmement, tu as besoin d'apprentissage. Donc, on va s'arrêter sur l'argent et l'apprentissage. L'argent et l'apprentissage. L'argent et l'apprentissage. Jeanne, je vais te bloquer. Hein? Tu as compris? Je n'ai que fait de tes maris de nuit. Quand il met mon sujet, vous venez dans mes vidéos parler, je vous bloque. Distrait comme tout. C'est tous les pauvres qui sont distraits. La première chose avec l'argent, c'est que même si tu veux apprendre, avec YouTube qu'on a aujourd'hui, en ayant du temps et de data, c'est quoi? Internet. Tu peux apprendre beaucoup de choses gratuitement d'abord sur YouTube. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 1. Le meilleur apprentissage, c'est celui qu'on fait et on pratique. Si tu apprends, c'est juste fictif. Tu es en train de perdre ton temps. Donc, tu apprends et tu appliques. Tu apprends et tu appliques. Tu apprends et tu appliques. Ton temps doit être divisé. Tes 24 heures doivent être divisées. Si tu peux prendre une chose de ma vidéo qui va t'aider pour ta vie. J'avais appris ça de Miles Monroe. Miles Monroe. Il parle du potentiel. Il était décédé en 2014. De minuit jusqu'à 5h, 4h35. De minuit à 4h30, 5h, tu dors. Mets ton réveil. Beaucoup d'entre vous, vous vous couchez sans savoir, alors vous allez vous réveiller. Première erreur. C'est le pipi qui te réveille. C'est le pipi. De 4h30 à 7h. Soit tu choisis ce moment, soit c'est le soir. Tu dois t'asseoir pour apprendre quelque chose. Tu peux aller sur YouTube, tu vas comment planifier son business. Vous me posez des questions ici là, qu'il y a les résultats de ça sur YouTube. Mais comme vous êtes bête,
Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, je vous dis que vous êtes bête. De 4h30 à 7h, supposons que tu travailles à 8h. Et que pendant cette période-là, tu vas apprendre la comptabilité ou bien une nouvelle langue. En sachant que si j'apprends peut-être le turc, tu viens en Turquie, si tu apprends le turc, ça va te permettre d'avoir un boulot rapidement. Mais déjà que de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu dois mettre au moins 2 heures par jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Parce que ton argent augmentera toujours avec de nouvelles connaissances. Je précise que le début de l'apprentissage, tu n'as pas besoin de payer. Il y a les réseaux sociaux. Tu peux décider que tu veux vendre. Mais tu ne connais pas utiliser le téléphone. Tu décides que pendant un mois, tous les matins, je me réveille. Pendant 1 heure de temps, même 1 heure, c'est assez. Je vais sur YouTube, je cherche comment utiliser TikTok. Comment utiliser CapCut. CapCut. Si tu apprends CapCut 20 jours, 1 heure de temps par jour, 20 jours en un mois, tu seras déjà une pro. Tu connaîtras plus que la norme. Puisque l'homme normal que tu rencontres dans la rue. Peut-être tu veux écrire ton livre. Peut-être tu veux devenir community manager. CapCut, c'est C-A-P. C'est U-T. Vous savez ça qui font les belles vidéos sur TikTok. Tu veux peut-être voir comment poster une vidéo sur TikTok et ça marche. Si pendant un mois, chaque matin tu te mets, tu cherches comment ton téléphone fonctionne, tu essayes, tu vois la vidéo, tu essayes. Au bout d'un mois, tu vas dépasser les jeunes de 17 ans qui sont ici, même si tu as 42 ans. Tu peux décider des compétences que tu apprends, que le mois, si j'apprends CapCut, le mois prochain, je vais perfectionner ma façon d'utiliser TikTok. Le mois d'après, je vais apprendre la comptabilité. Le mois d'après, je vais apprendre comment faire du dropshipping. Le mois d'après, je vais apprendre l'anglais. La première chose qui va te faire réussir, c'est d'intégrer l'apprentissage dans ton quotidien. Une personne qui apprend toujours va augmenter toujours ses revenus. L'autre là ne discute pas avec vous. Tu peux vouloir parler en public devant les gens. Tu t'assois, tu dis, pendant 2 mois, je vais apprendre la prise de parole en public. Tu apprends, tu mets en pratique. Tu apprends, tu mets en pratique. Tu apprends, tu mets en pratique. Nano, je vais te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Avec les esprits éparpillés. Tu vois que tu es où là? Tu es dans la cour du roi Péto. Elle ne sait pas qui est le roi Péto, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, à 7 heures, c'est le temps que tu prends pour aller travailler pour quelqu'un. Parce que pendant que tu apprends, ce que tu apprends ne donne pas encore l'argent. Donc, si tu m'écoutes, tu n'as pas encore de boulot. Si tu n'as pas encore le boulot, hein, cherche d'abord le boulot. Avant de dire que tu vas apprendre 4 codes, tu vas apprendre ceci. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Oh, je ne trouve pas le boulot. Je ne trouve rien. Parce que quand vous trouvez, vous êtes paresseux. Vous n'êtes pas organisé. Vous ne voulez pas apprendre. Tu peux entrer dans une entreprise. Tu nettoies le sol. Ça, tout le monde peut faire, non? Je vous ai dit que depuis à Douala, là-bas, je cherche quelqu'un qui va venir être agent de ménage. Il y a plein de femmes à Douala. Elles ne peuvent pas venir postuler pour être agent de ménage. Parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu nettoies le sol quelque part. Quand tu dis que tu veux réussir, hein, tu commences en bas. Tu t'assures que peu importe ce qu'on dit, j'ai l'argent qui paye mes factures. C'est pour ça que depuis 6 ans, tu es sur le canapé de ta soeur, tu dors. Tu n'as pas honte. C'est le sugar daddy qui s'occupe de toi. Tu cherches un boulot d'abord. Tu sais que manger, je peux manger. Payer mon loyer, je peux payer. Il n'y a pas de souci. Tu te lèves tôt. Tu finis peut-être de nettoyer. Tu vois qu'il y a la secrétaire ici. Demande à ton employeur.
Est-ce que je peux aider ici souvent? Je peux aider la secrétaire. Hein? Tu vois ce que la secrétaire fait. Comment utiliser Excel ou Word? Tu ne connais pas. Ça devient ton sujet d'apprentissage. Il y a des lieux, il y a vos lieux de service où il y a l'internet gratuitement. Quand tu finis de tout nettoyer, tu pars dans la salle d'apprentissage. Comme vous êtes bête, comme vos trous, je ne sais même pas. J'aime pas les gens bêtes, ça m'énerve. Prenez-moi 100 grands calendriers, pardon, diminués. Ça fait trop d'argent à sortir. 100, pas 200. Tu dis que ta tante peut faire le ménage. C'est à Douala. Pendant que tu nettoies, cherche une fonction dans l'entreprise qui peut être ton prochain objectif. Tu vas sur YouTube. Tu apprends. Tu vas sur YouTube, hein. Tu viens sur l'ordinateur, tu dis que tu vois comment elle fait, tu apprends. La capacité que tu es en train de développer en apprenant comment être secrétaire là. Si tu te concentres bien, en 3 mois, tu pourras le faire. Tu quittes de nettoyeuse du sol à secrétaire. Agent d'entretien, les beaux mots là, je ne sais pas sur ça. Pendant que tu es secrétaire, tu vises ce que le comptable fait. Tu vois les logiciels. Tu te lèves tout le matin, tu apprends. Et tu dois aussi savoir offrir le service gratuit. Parce que les périodes où tu vas venir assister la secrétaire, tu ne peux pas demander qu'on te paye. Je peux faire les heures supplémentaires comme secrétaire, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas les heures sup. Donc, j'ai dit que de 4h30 à 7h, soit ce sera le moment d'apprentissage, soit ça peut aussi être le moment où tu fabriques ce que tu vas vendre. Je travaille de 8h à 16h. 8h à 17h. De 4h30 à 8h ou de 4h30 à 7h, je fabrique. Tu peux faire des beignets, tu peux déposer à la boutique. Tu fais les pili-pili, peu importe. Tu peux déposer le boutiquier 20. Par jour, tu as peut-être 2000 francs de bénéfices. Si tu fais, c'est bon, les gens vont acheter. Si tu fais, c'est bon. Les gens vont acheter. Tu sais que pendant que je bosse, si on me paye 70 000 par mois, je vais multiplier et vous dire. Je ne parle pas des rêves ici. Quittez avec les rêves. On vous montre comment planifier votre vie. Vous êtes là, vous faites comme des trous du trou de la tête même. Pardon, vous me laissez. Trop de bêtises dans vous. Vous vous désabonnez sur ma page. Désabonnez-vous. Bon. Je vais calculer pour vous dire le combien. Si tu touches 70 000 par mois, 70 000 fois 12, ça fait 840 000 l'année. On divise par 365 jours. Ça veut dire que par jour, en tant qu'agent de ménage, tu touches 2300. Si tu peux me déposer la nourriture chez le boutiquier, ça te donne un bénéfice de 1500 par jour. Ça veut dire qu'avec 1500 par jour, on multiplie par 5 jours. 1500 par jour fois 5. Ça veut dire que tu augmentes 7500 par semaine fois 52. Tu augmentes 390 000 sur tes 800 000 que tu pouvais faire l'année. Quand tu dis que tu veux réussir, ce sont des capacités que même les milliardaires ont aujourd'hui. Écoutez-moi bien, j'aime expliquer mes choses en partant de la femme qui n'a rien. Donc tu es là au quartier comme ça, tu n'as pas de devant derrière. Mais tu peux au moins trouver même 10 000 pour lancer ton business.
nettoyer le lave, laver le sol, trouver la femme, être femme de ménage, c'est, tu peux trouver. Donc vous n'avez pas d'excuses. Les principes que je donne aux personnes qui n'ont presque, parce que souvent quand elles parlent ici, ah, je n'ai pas l'argent. Voilà pour les faits, tu vas aller faire la vie de 20 000 pour porter. Tu peux prendre les 20 000 là, tu investis sur toi. Bonjour Jeanne, comment tu vas? Vous ne me parlez pas mes choses toujours ici là comme ça là. Parce que vous n'avez pas mangé la honte. Hein? Vous n'avez pas chopé la honte. Nous, on me voit nettoyer le sol. 2 ans plus tard, on te voit que tu as ouvert ton premier business quelque part. Donc j'ai dit ceci, si tu fais seulement les pili-pili que tu vends au quartier, par jour tu as le bénéfice de 1500. Tu fais les pili-pili de 5000. Hein? Tu vends, ça donne 8000. Non, on va dire 9000. Le bénéfice sur ça, c'est 4000. Tu prends, sur les 4000 là, tu donnes 1500 ou 2000 au budget. 1500 pour la location de son endroit. 1500. Tu gardes 2500 avec toi. Après avoir remboursé les 5000 de l'argent que tu as pris pour fabriquer la nourriture. Ça, c'est en comptant que... On a compté ensemble et on a vu que si tu touchais 70 000 de salaire, 70 000, ça veut dire que tu étais à 2300 le jour. Si les pili-pili peuvent te donner 1500 le jour, ça veut dire que tu peux économiser 390 000 par an. L'argent que tu tires des pili-pili, tu ne touches pas. Tu fais une cotisation que c'est que chaque jour, tu donnes 1500. 1500, ça paraît, c'est rien, non? Pendant un an, tu ne touches pas l'argent là. Le volume est bon. Pendant un an, j'ai dit que tu ne fais pas quoi? Tu ne touches pas. Quand tu touches ton salaire, mais supposons 70 000, tu portes sur ça, si tu vis chez quelqu'un, et que ton salaire est 70 000, ne marche pas sans nous, tu sens payer. Je vous connais, vous êtes chiche. Je vous donne des principes qui vont vous permettre d'avancer. Vous êtes chiche. Bon nam. Dans mon village, on dit nam. Si tu sais que ta soeur me prépare, tu manges. Même si c'est seulement 500 par jour. Sors 500 dans par semaine. Ça veut dire que par semaine, sur tes 2300 que tu gagnes par jour, tu sors 500. On peut dire que tu es en train de payer ton loyer comme ça. Tu lui donnes. Donc à la fin de chaque semaine, tu donnes 3000. Voilà ma participation pour la maison. Tu comprends? Si tu vis seul, assure-toi que tu vas sur les 2300 que tu gagnes par jour, tu dépenses maximum 400 ou 500 pour nourrir, pour la nourriture et le déplacement. Il faut marcher, les pieds sont là pour quoi? Ton but, c'est que sur tes 70 000 que tu reçois, tu perds 7 000 de dîmes. Tes 1 500 de bénéfices que tu tires de tes pili-pili, 1 700 là, 1 500 multiplié par, attendez, je vais voir par mois combien tu as sur ton bénéfice, sur le business là. 1 500 de bénéfices par jour, fois 5, fois 4. Ça veut dire que par mois, tu as 30 000 que tu tires. Donc, ta dîme pour ton boulot, c'est 7 000. Ta dîme pour les pili-pili, c'est 3 000. Donc, tu payes ta dîme. Quand tu as payé la dîme sur les 7 000, il va te rester 63 000. Par mois. Et 27 000, que, on a dit que tu économisais l'argent, tu ne touchais pas. 27 000, tu mets de côté par mois. 63 000. Sur les 63 000, ne pas pas louer la maison qui va dépasser 20% de ton argent. Attendez. 70 000 fois 20. Donc, tu dois chercher à louer une chambre qui va te coûter maximum 15 000. C'est dans les 22% de ton salaire. Et on a dit que si tu fais 15 000 pour transport, pour la chambre,
J'ajoute à ça ta dîme de 7 000. Ça veut dire que tu as dépensé 22 000. Maintenant, 22 000 mais 70 000. Il te reste 48 000 francs CFA. Puisque tu es en apprentissage, tu as besoin d'Internet pour suivre mes vidéos et suivre les formations dont tu as besoin. Oui, tu peux consulter, mais je ne fais pas les consultations ici. Les consultations, c'est payant. Il y a mon numéro dans la bio. Donc, sur les 48 000, 1000 francs te met 1 giga. Si tu gères bien 1 giga, tu peux l'utiliser 1 giga en 4-5 jours. Supposons 5 jours. Donc, par mois, tu peux utiliser, mettons, 7 000 pour Internet. C'est très important. Même si on met 10 000, 10 000, c'est pour Internet et tes formations. Donc, sur les 48 000 qui restaient, moins 10 000. Il te reste 38 000. Sur les 38 000, il faut économiser 20% encore, donc 15 000. Économie. Économie 15 000, loyer 15 000. Donc 38 000. Moins 15 000. Tu te retrouves à 23 000. On n'a pas encore retiré. J'ai déjà mis la dîme. J'ai déjà retiré la dîme, mamie. La dîme est déjà retirée. Les 23 000 qui te restent maintenant, on va voir, on planifie la nourriture. La nourriture, c'est le dernier truc qui sort. Même s'il faut que tu sois mince. Vous voyez, au début de mes vidéos, j'étais très mince. J'ai passé au moins 6 ans. Même les jours, je n'avais pas. La nourriture, c'était la dernière chose qui sortait de mon budget. Le transport, j'arrive, mamie. Même le transport, tu peux frapper. Tu marches la moitié du chemin, tu stoppes le taxi, tu prends la moitié, l'autre moitié. Je parle pour quelqu'un qui est en Afrique, hein. Ceux de l'Europe. Excusez-moi. Et dans ton quartier, tu dois trouver, il y a le tapioca. Tu sais que le matin, quand je sors, je mange les beignets de 150 ici. Ça tient mon ventre. Quand il rentre le soir, le tapioca que tu achètes, tu peux faire une sauce d'arachide avec le mbunga. La raison pour laquelle j'aime beaucoup le mbunga, jusqu'aujourd'hui, je suis habitué au mbunga. Parce que les années où j'étais en train d'économiser l'argent pour pouvoir investir sur mes choses, je mangeais le mbunga. J'achète le mbunga de 500, je ne peux pas une semaine avec. C'est parfois 3 ou 4. C'était seulement pour le goût dans la nourriture. Le riz sauté, les affaires de riz sauté, ça devient ton meilleur ami. Le tapioca. Tu me fais la sauce arrachée avec le mbunga. Beaucoup. J'aime beaucoup la sauce arrachée avec le mbunga. Donc, tu prépares la sauce arrachée, tu sais que ça t'a coûté peut-être le mbunga de 500, les condiments. Avec 1500 au Cameroun, tu peux faire la sauce arrachée. Tu manges la sauce là même sur une semaine. Le mbunga, c'est la sardine fumée. Moi, une sardine fumée me faisait un repas. Atcheke avait chaque pays a sa nourriture. Ici, tu peux avoir l'atcheke de 200. Je suis à Côte d'Ivoire actuellement. Je ne parle pas des rêves, je parle de l'argent. Si tu veux payer l'interprétation de rêve, tu n'auras pas l'argent, Anthony. On vous montre comment faire pour avoir l'argent, pour multiplier votre argent. Vous voulez seulement parler des rêves. On me bloque. Parfois, c'est vous-même qui vous bloquez. Moi, sauce d'arachide, je prends le tapioca et mets l'eau chaude dedans. Ça devient le couscous. Je mange. Le spaghetti. Même en Europe, le spaghetti est moins cher. Même en Europe, le spaghetti est moins cher. Je me rappelle, j'étais en Angleterre avec ma fille. Je pars au supermarché Lidl. Spaghetti. 2 pounds. Tu achètes la sardine peut-être à 1 pound 50 ou 2 pounds à Lidl. Il y a peut-être 3 sardines dedans.
Parfois, c'est même les sauces qui étaient dans les boîtes. Les sauces étaient un peu chères. Je préfère acheter moi-même ma tomate. J'achète ma tomate en boîte, demain avec les oignons, je fais frire. Pourquoi? Parce que l'argent de la nourriture, c'était le dernier dans ton budget. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas manger ta vie. Tu vas manger ton futur. Il y a des gens qui peuvent préparer en une journée, ils ne peuvent pas le héros en bain. Ça lui coûte 50 euros. Il te tape les repas de 50 euros trois fois par semaine. Tu manges 150 euros. Alors que tu peux manger 4 euros par jour ou 3 euros. Ça, c'est parce que tu as besoin de mettre l'argent de côté pour acheter quelque chose. Chacun, je suis consciente que beaucoup de personnes qui me suivent, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez déposé quelque part. Et vous savez que je dis toujours dans mes vidéos, économisez. Monsieur Fenn, tu bégayes. Est-ce que quand on écrit, on bégaye? Que tu es honnête. Est-ce qu'on bégaye, papa? Hein? Tu viens pour déranger dans mon direct et tu bégayes en écrivant. Attends, il te bloque. Parvenu. Les garçons. Il veut maintenant bien vous insulter. Venez me chercher cela. Viens bégayer dans mon direct. On continue. On était à 38 000. J'ai dit que tu économises 15 000 sur ça. Ça fait qu'il te reste 23 000. Maintenant, si on met que tu prépares deux repas par semaine. Deux repas. Parce que une fois que tu as mis ton argent de côté, même si tu peux ouvrir un compte dans une coopérative, même si, je ne sais pas, tu mets ton argent là-bas. Les ongles, tu n'es pas sur ça. C'est depuis un an que tu fais les ongles. Je ne faisais pas les ongles. Ça coûte de l'argent, hein? Je ne faisais pas les ongles, je ne mettais pas les perruques. Le make-up coûte de l'argent, vous savez ça. Tout l'argent là, si j'avais besoin de ring light, oh, si j'avais besoin de téléphone, oh, si j'avais besoin de ceci, oh, j'achetais seulement. Donc, tu peux mettre, avec tes 23 000 qui te restent, tu dis que ton budget quotidien de nourriture, supposons, tu mets 400. Même pendant un moment, tu peux manger le pain. Ça ne tue pas. Parce que tu as un objectif. On a vu au départ, bon, si tu économises 15 000 sur ça, et on avait vu que tu pouvais, en faisant la nourriture que tu déposais chez le boutiquier, tu pouvais économiser 27 000 par mois. Donc, 15 000 plus 27 000, on va multiplier pour voir combien tu peux faire en un an. Ça fait 42 000 par mois, fois 12. Ça veut dire qu'en un an, tu as économisé 504 000. Rose, bonjour. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais eu 500 000 dans votre main en une fois. J'étais comme ça avant. Pendant ce temps, tu vas te retenir quand il y a les imprévus. Parce que les gens vont venir. Oh, telle personne est malade. Voilà, vous voilà. On m'a jeté un sort. Même si elle dit qu'elle veut te soigner, tu as besoin de l'argent pour me payer, non? N'est-ce pas? Je parle de finances aujourd'hui. Si tes questions n'ont pas rapport avec ça, il faut sortir de mon direct. Tu fais le héros rarement et tu manges ça pendant 3 jours. Même le coq me revenait tellement moins cher à faire. Le plus cher dans le coq, c'était les arachides. Moi, je prenais les arachides. Tac, je fais le coq. Matin, soir, je mange. Je mange le matin, je mange le soir. Je mange le matin, je mange le soir. Ça comble mon ventre. Un bâton de manioc que tu as acheté à 100 francs, tu divises en deux. Tu mets le max, peu importe ce que tu veux faire comme projet, tu as besoin d'argent. Je te rappelle que si tu me suis mon conseil, en 12 mois, tu auras mis 250 000 de côté. Pardon, en 6 mois,
Tu as mis 250 000 de côté. Mon tête te bloque. Faut pas venir me déranger. C'est vous-même qui partez chercher les sorts. Vous partez chercher les sorts. Maintenant, vous venez m'embêter dans mon direct. Faut me laisser. J'aime la vie paisible. Regardez comment je suis belle. Tu as vu les rides sur mon visage? Tu as vu les rides sur mon visage? Faut me laisser. Assurez-vous que vous m'envoyez d'abord les images finales pour mettre sur les flyers, là, pour mettre sur les tasses. Je dois voir avant d'approuver. Il y a le riz sauté. Il y a le coq. Moi, j'aime beaucoup les arachides. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'arachides avec le tapioca. Allez, repas. Qui vous a dit que vous avez besoin de manger la viande? Qui t'a dit que tu as besoin de la viande dans ta vie? Ah, si moi je ne mange pas la viande, c'est que je ne serai pas ma contente dans la journée. Hein? Voilà comment on vous bloque. Maman, je vous dis toujours que tout ce que vous voyez, j'ai aujourd'hui et je fais. Personne n'a pris son argent et m'a donné. Personne. J'ai réfléchi. J'ai planifié. Je me suis discipliné. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu es carnivore. Tu es le loup-garou. Tu as besoin de viande. Tu es le lion. Hein? Tu es le lion. Moi, j'ai besoin de viande. Tu es le loup-garou. Les fausses croyances qu'on a mises dans votre tête. Bon. Je te demande de garder l'argent parce que peu importe ce que tu vas faire en 2024, si tu fais ça, si vous pratiquez ça de maintenant jusqu'en juin, tu auras déjà mis au moins 300 000 de côté. Je vous ai parlé ceci avec un salaire de 70 000 le mois. Participez même si vous vivez chez quelqu'un. Ne vis pas chez quelqu'un, tu dis que okay, comme je mange sa nourriture. Écoutez, j'ai bien mis la partie où tu participais chez quelqu'un chez qui tu vis. Ne vis pas chez les gens, tu ne sors pas ton argent pour les aider. Bon. Quand les imprévus arrivent, tu refuses. Pendant ce temps, j'ai bien précisé que pendant que tu étais en train de... J'ai dit bon, de minuit à 4h30, tu dors. De 4h30 à 7h, tu es en train de fabriquer ou de faire ce que tu vas vendre. Je demande de déposer à quelqu'un d'autre pour que ce soit un revenu passif. Maintenant, supposons, tu es en train de m'écouter et tu ne veux pas travailler pour quelqu'un. Si c'est toi-même qui vends, je suis sûr que tu peux faire un chiffre d'affaires de plus de 5 000 par jour. Personne n'achète. Personne n'achète. Attendez. On voit ensemble, regardons. J'avais dit que tu faisais le pili-pili pour vendre, non. Tout ça, c'est en ligne. Tu écris sur ton truc. Comment faire le pili-pili? Maintenant, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un. Mais tu veux mettre de l'argent de côté. Écoutez ma stratégie. Tu as ta soeur, tu veux utiliser son gaz. Ok? Bon, tata, je vais préparer avec ton réchaud. Le gaz, c'est 6 500. N'utilise pas son gaz, tu ne payes pas. Si tu utilises son gaz, tu ne payes pas, ta marchandise, tu ne vas pas bien vendre. Fous à charbon. Tu achètes le charbon, tu déposes. Je vais partir sur le gaz. Tu prends le gaz 6 500 parce que la taille du charbon, je n'ai pas vraiment utilisé le charbon dans ma vie, donc je ne sais pas comment vous dire les quantités. Tu achètes le gaz de 6 500 pour faire les beignets. Tu ajoutes à ça les fruits. Tu n'as pas le congélateur ni le frigo. Donc tu achètes les glaçons le matin.
Sinon, tu sors très tôt, à 4h30, comme j'ai dit là. Tu arrives au marché à 5h, tu achètes les fruits. Généralement, les marchés, on déballe pour les grossistes. Tu viens, tu achètes pastèque, ananas, en fonction des saisons. Tu rentres, tu découpes. Tu mets dans les... Les gens, les banques, aiment beaucoup ça. Tu as acheté les box. Tu peux même dire que tu as des clients fidèles. Le box de 125 là, tu viens récupérer le soir, tu donnes un autre. Ce qui fait qu'ils ont les réductions sur leur nourriture quand ils te donnent les box. Voilà, le gaz revient moins cher que le charbon. Je sais. Je n'ai pas seulement voulu dire ceci. Je sais ce que je sais. Quand j'ai vu comment le charbon coûtait ou le bois, je dis que c'est quoi ça? Mets tes mains sur le gaz. Le gaz, c'est plus sûr. Je peux contrôler le feu. Ça ne me donne pas la fumée. Autant de choses. Je peux faire ça aussi tôt. Imaginons, je vais travailler, je vais préparer à 5 heures. Tu me vois dehors à 5 heures en train d'allumer le feu. Le gaz revient moins cher. Bon. Tu achètes les fruits. Tu fais deux types de beignets. Tout ça, tu peux faire. Hein? Malheureusement, beaucoup de femmes sont très lentes. Même les hommes peuvent faire ça. Il y a le Cameroun, il y a les hommes qui marchent avec la nourriture, ils vendent aux gens. Malheureusement, les femmes sont très lentes. Il y a deux foyers. Tu te lèves. Tu peux même embaucher un enfant du quartier qui part à l'école. Il vient travailler pour toi, il vient travailler pour toi le matin. Il vient, il finit à 6h. Il passe se laver, il part à l'école à 7h30. Il finit à 6h30 même. Tous les matins. Il vient de 5h à 6h30. Il t'épluche les fruits, il découpe. Ah! Il ne peut pas devenir pauvre. Hein? Hey! L'argent. Oh, quelle part ça me plaît. Tu cherches l'enfant d'un voisin là. Tu lui dis que tous les matins tu viens, il te donne 200. Ou 300. Hein? Une heure de travail le matin avant de partir. Une heure de travail le matin. Dès qu'il arrive, tu allais déposer ses fruits là-bas. Il découpe. Salade de fruits. Tu mets tout ça dans, dans une grande bassine. Il part. Pendant qu'il fait ça, toi, tu es en train de faire fuir les beignets. Ou tu es en train de retirer le foléré de la mamie. Moi, j'aime beaucoup boire le foléré le matin sous forme de thé. Je ne bois pas sous forme de jus, mais sous forme de thé. J'aime beaucoup boire le bissap sous forme de thé. Donc, tu as ton pouce que tu as bien mis là. C'est que les femmes, vous fuyez. Parfois, tu vois une femme, elle marche sous le soleil comme ça. Si elle te montre la jambe qu'elle a par jour, votre problème, c'est que vous n'avez pas de chop la honte. Hé, hey, moi, vous me voyez en train de faire ça. Hé, hé. Hé, hé. Vous voilà. Donc, tu vas les fruits découper. Tu vas les baigner. Et si tu t'es bien pris en avance aussi, tu peux faire les pili-pili. La pâte que tu fais, tu mets quelque chose comme les samosas. Après, tu fermes. Ok? Tu fais ça. Imagine, tu viens avec les beignets, beignets soufflés, beignets normaux, faire la levure, truc là. Pili pili. Tu achètes les thermos au marché. Tu mets le thé dedans. Tu fais fabriquer un beau truc. Les hommes marchent souvent avec ça là-bas, non. Mais la seule différence, c'est que toi, t'as pas, tu vas avec les beignets, tu vas avec toutes ces choses-là. Tu mets dans ton pouce. Tu mets dans ton truc que tu vas pousser. Pour aller plus vite, moi je dis toujours, si tu peux embaucher quelqu'un, c'est bon. Mais au départ, supposons au départ, tu es seul en attendant de trouver une petite fille du quartier qui a eu un enfant à 15 ans ou bien à 17 ans, elle a arrêté l'école, elle travaille avec toi. La personne, tu en auras besoin, pourquoi? Parce que quand tu vas arriver pour aller donner le thé dans les bureaux, tu as deux types de gobelets. Le gobelet pour tester. Et le gobelet pour vendre. Le gobelet pour tester, tu prends des petites portions comme ça au marché. Tu fais le foléré là, le bissap. Tu fais ça de telle façon que si quelqu'un goûte, si ça touche la bouche de la personne, il va demander encore. Bonjour, j'ai apporté, voici le test, vous pouvez tester ceci. Voilà le goûter, c'est gratuit, c'est gratuit. Et en faisant les beignets, tu fais les gros beignets et les petits beignets. Le petit beignet, c'est le test. Tant que tu fais ta nourriture, jusqu'à toi-même, tu ne manges pas, ça te plaît, ne pas vendre aux gens.
Tout ce que je vous dis là, ça prend moins de 20 000 pour commencer. Ça prend moins de 20 000 pour commencer. Pendant que tu es en train de vendre ça le matin, tu sors très tôt. Ils arrivent au bureau dans les 7, 8 heures, 9 heures. Donc tu sais que une femme t'a porté sur la moto l'autre jour. Ça l'arrivée que tu as su que c'était une femme. Elle avait doublé les blousons. Hein? Il était 22 heures. Elle a dit qu'elle est professeure, mais que chaque soir, elle choque avec la moto. Si vous savez que vous allez vous pleurer, que vous n'avez pas l'argent, c'est les réseaux sociaux qui vous trompent. Tu vois comment elle est belle, elle a mis les filtres. Je dis que moi aussi, je vais faire ça. Même l'argent pour acheter le téléphone, tu as, mamie. Hein? Tu as une préoccupation. Si ça n'a pas travaillé ce qu'il dit là, ne m'écris pas. N'écris pas ce qu'il te bloqué. Tu fais d'abord un tour le matin. Pendant ce temps, peut-être tu as mis la sardine au feu. Tu as préparé la sardine toi-même. Tu as mis au feu. Tu passes le matin. Tu sais que ton tour de la maison du matin, ça finit à 10h. Tu fais 6h30, tu sors de la maison. Tu commences à vendre à 7h. 7h, 8h, 9h. 10 heures, tu rentres. Si tu t'es bien organisé, tu as apporté tes condiments. C'est que de 10h15 que tu es arrivé à la maison, 10h15, tu sors encore à 11h45. Tu dois être polyvalent, tac. Et je dis, tu auras besoin de quelqu'un pour travailler avec toi. Je vous ai bien dit que tu pars, va chercher les vidéos en ligne. Pour faire la cuisine, tu n'as pas besoin de dons. Si tu peux apprendre à nettoyer le sol, si tu peux apprendre à tourner une machine, tu peux apprendre à faire la cuisine. Toutes les recettes sont en ligne. Avant, il fallait payer les mères du quartier pour qu'elles te montrent. Aujourd'hui, tous les secrets sont sur le net. Donc, tu as fait la tournée du matin. En passant le matin, tu prends même les commandes des gens. Il faut avoir le cahier et la vision, s'il vous plaît. Client régulier, le matin, il te commande une fois. Tu as même le cahier. Tu dis que je vous propose. Vous payez pas à la semaine. À la semaine. À la semaine. Il y a les gens au Gabon qui ont leur magasin. Ceux qui vendent les voilà là-bas qui passent. Les gens qui poussent le thé sur le truc là. Ils passent dans les magasins. Jusqu'à quand il arrive, c'est qu'ils pointent 200 chez celle-ci. Ils pointent 400 là-bas. Ils pointent 500 là-bas. Tu fais la liste. Tu sais que comme tu prépares là, tu mets les arbres chacun dans son bol. Il y a les bols qu'on avait à précommander. Tu envoies ton employé, elle dépose seulement. Même dans la nourriture, tu as le test. Parce que vous n'aimez pas donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas avoir. Et en faisant ça, tu leur dis que je peux préparer même pour vous pour les événements le week-end. Voilà comment tu es quitté de l'argent que tu as peut-être 15 000 par jour sur la nourriture, là, en vendant le matin et à midi. Tu ne peux pas manquer moins de 15 000 après avoir retiré toutes tes dépenses. Comme femme, un homme aussi, tu peux apprendre à coller la Leswick. Les hommes là, va sur YouTube, tu apprends à coller la Leswick. Tu apprends à faire le make-up. Tu vois les sourcils là, non? Apprends à faire les sourcils des femmes. Papa le Cabral, je sais de quoi je parle. Je sais, quand il vous dit que tout est sur internet, je connais de quoi je parle. Parce que les gens sont paresseux. Ils sont paresseux. Et quand tu fais quelque chose qui sort du commun, ça va t'attirer plus de clients. Supposons un homme qui se met à coiffer les femmes. J'ai mon cousin. Chaque fois qu'on se voit, ses doigts sont toujours noirs. Il travaille au marché Congo. Il a une petite chaise comme ça là. Le gars la pointe. Il fait des sourcils. 1000 francs. 1000 francs. Il met le vernis sur ça. Vernis à où ça? 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Comptez un peu. Le nombre de voyages qu'il a déjà fait. Tantôt, il dit que je suis au Japon. Je suis en train de faire ceci. Puis, il achète sa marchandise, il revient. Quand il sait qu'il a besoin d'argent, il s'assoit même pendant 3 semaines. Il pointe, il pointe, il pointe, il pointe. Le gars, là, s'il touche tes sourcils, là, même si tu étais un djunjou, il va regarder mes sourcils, comment c'est tracé.
C'est vrai que c'est pas lui qui a fait ça, c'est plutôt moi. Je commence à être chassé, non. J'ai certains endroits sur mes sourcils là que je n'ai pas. Je n'ai pas de sourcils. On a seulement bien rempli. Et je n'ai pas mis de make-up. Regardez. Je n'ai pas mis le make-up. Je n'ai pas mis le make-up. Vous avez vu, non? Une trace seulement bien. Regardez. Il n'y a pas le fond de teint. Vous avez vu? Quand tu as plus de chances de réussir quand tu fais dans quelque chose que les... Supposons que tu es une femme. Apprends à coiffer les hommes. Apprends à tracer la barbe. Tu traces la barbe comme ça quand quelqu'un regarde. Je suis en train de parler, tu vois seulement que je suis un peu croustillant. Vraiment. Je suis que tu es pauvre. Je suis en train de dire comment on fait pour avoir l'argent. Tout ce qui t'intéresse. Il dit que tu peux installer les lésouilles des femmes. Tu parles de pain croustillant. C'est comme ça que vous faites. La clé, ou bien ce qui fait que beaucoup de femmes font ce que j'ai dit là, mais elles n'avancent pas, c'est que vous n'économisez pas et vous ne planifiez pas vos emplois, votre business. Dans le sens où je suis en train de vous parler comment grandir tes clients. Vous devez grandir votre base de données. Cherchez à agrandir votre base de données. Ça, c'est important. Donc, tu économises. Et quand tu es en train d'économiser, ça, c'est pour acheter le matériel qui est plus grand que ce que tu utilises actuellement. Supposons la personne qui fait la restauration. Tu marches, tu marches. À un moment, tu vas penser peut-être acheter une moto pour les livraisons. Tu vas penser acheter peut-être un four. Fait plus de commandes. Quand vous voyez souvent quelqu'un, elle a un business depuis des années, ça n'avance pas, c'est parce qu'elle n'a pas développé la vision de ce business qu'elle a commencé. Voilà les gens dont je vous parle là. Regardez, nous voilà là-bas dehors. Vous voyez, non, les gens qui ont tu le vois, non, ils passent là-bas. Ils poussent. Ça, c'est au moins le cinquième qui passe ici depuis que je vous suis en train de vous parler. Les pousseurs là. Ils sont pleins ici dehors, ils sont versés ici dehors. Grandir sa base de données de clients. Je sais que je ne sais pas comment vous dire ça. Règle numéro 1. Rends bien le service. Ne cherche pas à avoir plus de clients. Tant que tu n'es pas en train de chercher à améliorer ce que tu offres. Si tu es médiocre dans ton service, hein? Même si on t'augmente, on t'expose à 500 clients. Ils vont venir une fois, ils ne vont plus jamais revenir. Parce que beaucoup d'entre vous, le service que vous rendez n'est pas bon. C'est bien beau de dire je suis entrepreneur. C'est trop beau. Je fais dans l'entrepreneuriat. Assure-toi que si quelqu'un entre dans ton magasin, si on parle d'énergie, la satisfaction qu'il va ressentir, même s'il ne parle de ton business à personne, on va toujours te localiser. Je t'assure. On va te trouver. Parfois, je vais te demander que, mais avec tous les femmes qu'il y a dans le marché, si tu m'as trouvé comment? Comment? Pourquoi j'ai toujours peur de perdre les gens? Tu es pauvre. Toi, la fille, c'est là, tu es pauvre. On vous parle d'argent, vous ne voulez pas écouter. Les pauvres ont toujours les idées éparpillées, je ne comprends pas. On ne peut pas vous guérir. On ne peut pas vous conseiller.
Oh, c'est dommage. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Ne cherche pas le partenaire, ma chérie. Ce qui vous manque, ce n'est pas le partenaire du business. Quand tu cherches un partenaire, ça veut dire que tu crois que tu n'es pas assez. Like, oh, how do I say that? Tu penses que tu n'es pas. Oh, how do I say that? The word. Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de. L'autre jour, par exemple, j'ai une de mes employées qui a son entreprise qu'elle a ouverte sur le côté. Et l'autre jour, je lui demande, ah tiens, comment ça se passe? Ça évolue? Non, on n'a pas le local. Ce qui fait que quand on obtient même un client, vraiment, ce n'est pas évident pour nous d'aller leur parler. Je lui dis, j'ai commencé l'école, je n'avais pas de local, maman. Je n'avais même pas le local. Et j'avais l'école. Je n'avais même pas le local de l'école. Je n'avais pas le local. Je lui ai dit que la première chose, ayez le désir de servir sincèrement les clients qui viennent à vous. Deuxième chose, soyez vrai. Écoutez, j'aime être tellement ouverte dans ce que je fais avec les gens, ceux qui me suivent. Quand on cotise l'argent pour aller dans un orphelinat, pour chercher, il y en a encore découvert un autre orphelinat. Ils ont besoin de 1 million 5 pour payer la pension des enfants. Je vais prendre un community manager qui va faire les vidéos des orphelins là pour qu'on montre. Comme ça, quand il y a des besoins, on fait des appels et puis vous cotisez. On a vu, il y a 49 orphelins là-bas. C'est hier qu'on les a découverts. Je crois que dans la cagnotte, il faut que je demande qu'on me dise aujourd'hui. Mais on a, les gens participent vraiment bien. Il y a une dame l'autre jour qui a fait un dépôt de 250 000. Elle a précisé que c'était pour la construction de l'école des orphelins là, au cœur de Jésus. Donc l'événement pour la construction du cœur de Jésus, c'est demain. Beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez, vous croyez que on achète. Vous croyez qu'on achète les gens parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils sont arrivés à la veste. Non. Quand quelqu'un vient, surtout ceux qui ont des vrais clients, hein. Moi je ne cherche pas les clients que je cherche à impressionner. Si moi je t'impressionne, tu n'es pas mon client. Oh, je suis venu parce que tu, franchement, j'ai vu ta grosse voiture, j'ai vu comment tu avais ceci. Si c'est ça qui t'a amené chez moi, c'est que tu n'es pas mon client. Une maman peut avoir son chauffeur. Elle a deux immeubles. Elle arrive dans ton salon de coiffure. Elle s'assoit. Elle voit, ah, la petite fille, c'est là, tu vois, elle n'a pas encore les chaises. Waouh, je vois. Elle a un seul séchoir. Elle regarde. Elle regarde. En partant, elle sort 100 000 dedans. Elle est venue, elle a consommé ton service, ma chérie. Et elle reviendra. Parce que tu es respectueuse. Tu es honnête. Elle voit tes statuts. Les gens ne sont pas aveugles. Elle voit comment le dimanche tu es dans ton salon. Quand tu as même pris le mur, même c'est toi qui as peint. C'est toi qui as peint le mur. Elle a vu comment tu avais mis ton statut le jour. Elle te guettait. Elle voit les chaises, elle sent que tu as pris ça à la brocante ou bien. La prochaine fois, elle vient, tu dis que non, le service est 25 000 tata. Elles sont même 50 000, elles te donnent. Votre problème, c'est que vous cherchez à impressionner les gens alors que vous n'avez même pas. Alors que vous n'avez pas. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est comme ça que j'ai commencé. La première année que j'ai fait mon école, je vous ai dit comment j'avais commencé, non? Je n'avais pas le local. Je vivais dans un studio que j'ai, au Carrefour Maçon. À côté de Anita Chicken, il y a un portail là-bas. Elle a maintenant fait l'immeuble là-bas. Elle a fait un seul étage, pardon, un étage. Je payais 75 000. J'avais ma chambre. Ma chambre connaît seulement mon lit et mon petit bureau. Il y avait un coin. Donc quand tu venais dans mon école, si tu voulais pisser, tu entrais dans ma chambre pour aller pisser.
Donc tu voyais mon lit. Je veux vraiment que vous écoutiez. Les gens gardaient les 4x4. Ils garaient les 4x4 devant ma porte. Ils me donnaient leurs enfants. Non, ma fille, je t'ai écouté l'autre jour à la radio. Vraiment, je t'ai écouté. Ce que tu fais là, vraiment, prends mon enfant. Il te donne un enfant de 7 ans, 12 ans, 15 ans. Je faisais dans mon salon, hein, j'enseignais dans mon salon. J'avais une chambre salon. Le truc, c'est que vous pensez souvent que vos clients sont bêtes. Le client n'est pas bête. Je ne sais pas ce qu'il... Quand il voit souvent que... Moi, je ne vous prends pas pour des bêtes, hein, ceux qui achètent les produits chez moi. C'est pour ça que moi, je suis très, très, like... Je suis très open avec mes choses qu'elle vous dit. Même en 2021, vous avez dit que j'avais investi mon truc, j'ai arrangé la maison d'une dame. Elle devait me louer ça. Après, on m'a mis en cellule. Elle m'a chassé avec tout l'argent qu'elle dépensait sur ça. Elle s'en fout. Donc, j'ai tapé 6 mois à la maison. Mes voisins voyaient souvent comment on garde une costaud de voiture, 3 enfants. Il y a des clients qui sont partis chez eux pour enseigner. Je vois la maison comme ça, j'ai même peur. Mais après, je leur disais que, parce que je coachais les enfants, je fais du coaching pour enfants. C'est pour ça que je finis par faire des livres. Donc, quand ils m'amènent les enfants, c'est des enfants non disciplinés, les enfants peut-être. Vous savez que les riches, parfois, ils gâtent un peu trop leurs enfants. Tu vois, l'enfant, il ne veut pas fréquenter. On te met dans une école, une grande école, tu ne peux pas fréquenter, pourquoi? Donc, on m'amène l'enfant. Je grondais l'enfant. Ah, j'aimais trop le boulot là. Ah! Tu vois, moi, quelqu'un garde une costaud de voiture. Elle sort ses 2 enfants. Elle me les envoie. Je reste avec 3 heures de temps. Après, viens les chercher. Parce que moi, j'étais venue avec. Je vous montre. Ok, me voilà. Et quand elle te donne mon prix, je suis ferme. Il te dit vraiment, tata. Parfois, il dit, maman, voilà le travail que tu, pour lequel tu m'as embauché. Et toi, même si c'est parce qu'en faisant le coaching, je devais aussi, il y a une partie, je devais consulter le parent. Tu ne me manques pas, tu ne me... Après, il fait une séance où vous deux vous êtes ensemble, je mets l'enfant et le parent. Donc, ce n'est même pas l'état de l'endroit où tu travailles qui est un problème. Et quand quelqu'un te voit, les gens là, vos clients, ils peuvent savoir ceux qui sont vous, si vous êtes sérieux ou pas. Tu crois, et quand ils achètent parfois, c'est pour t'aider. Parce que beaucoup d'entre ces personnes-là, vous voyez avec les grosses voitures aujourd'hui, eh ben, parfois, hein, asseyez-vous avec vos clients, demandez comment ils ont fait pour avoir la voiture qu'ils ont là. Si vous êtes ouvert, ils vont vous dire que moi, j'ai galéré pendant tel nombre d'années. Je vendais à la sauvette, je faisais ceci, je faisais cela. C'est après 5 ans que j'ai pu vraiment ouvrir mon premier magasin. Après, elle va te dire que ma fille, quand elle te voit comme ça, vraiment, je t'encourage. Je fais souvent ça aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de raconter mon histoire à la fille, bien sûr, mais quand elle voit une petite fille qui se débrouille, moi-même je l'aide aussi. Pas les mendiants qui vont venir dire aide-moi, aide-moi. On aide quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose. On n'aide pas une fille qui est à la maison qui a croisé les bras, qui est sur TikTok tous les jours. Tu fais la belle. Donc aussi, ça ne vous plaît pas, non? N'est-ce pas? Je vous dis ça, ma bouche va que parler. Vous n'avez pas besoin de partenaires. Ce n'est pas les investisseurs que vous cherchez. C'est pour, vous n'avez pas besoin d'investisseurs. Tu n'as pas besoin d'un business angel qui va venir te donner l'argent finalement. Discipline-toi. Voilà comment moi, il fonctionnait. Quand je suis là, je commence dans un local. Je sais que mon prochain objectif, je vais arranger le mur ici. Je cherche l'argent de ça. Dès que j'ai un peu d'argent, tac, j'achète le matériel, dépose au sol. Après encore, tac, je paye le monsieur qui doit venir faire, il fait. Après, il dit, prochain objectif. Là, je suis à Abidjan, par exemple, voilà le magasin d'Abidjan. J'ai commandé des étagères, ça arrive normalement dans 1 semaine. Il va venir installer sur toute la partie ici. Ceux qui sont venus ici prendre les produits, vous avez remarqué que c'était vide. Parce que pour fabriquer le truc, il m'a dit que ça va prendre 4 semaines. Donc, depuis là, j'attends. Donc, voilà le local actuellement. Moi, je cherche pas moi vous impressionner. Vous avez l'impression que quoi? Hey, vous avez l'impression que vous allez me donner quoi? Hop.
Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Attendez. Une minute, je vais monter les deux, vous deux ensemble. Donc, iPhone, c'est dans mes commandes. Voilà. Voilà. Attendez, je suis la caméra. Une minute, je vais vous montrer. Voilà, that's better. Voilà, vous voyez, non? Donc, on est dans moi, qu'on va mettre en bas des escaliers là-bas, ce sera fermé. On a déjà presque tout installé. Là, côté lumière, c'est presque fait. Donc, voilà le lustre qu'on a mis. Voilà les toilettes. On a dû refaire la porte. Donc, c'est sur toute cette façade ici qu'on va mettre... c'est ici qu'on va mettre le... Là. Donc, de là où il y a la clim, jusque là où je suis. On mettra les étagères. Voilà. Et c'est là qu'on va en haut. Mon bureau sera en haut, normalement. Là, c'est le bureau d'Abidjan. Voilà. Donc, on a déjà tout mis. Par exemple, là, il y a la télé. On mettra ici, on mettra une réception. Là, il y a la bouteille, là. Il y aura un bureau là-bas. Donc, actuellement, je suis ici. Et vous voyez, je suis assis sur les chaises en plastique. Sylvie, tu n'as pas un problème de discipline. Tu as un problème de vision. Vous voulez tout savoir, mais vous ne mettez rien en pratique. Je peux lire vos énergies, vous toutes là. Je peux lire tout là et lire vos énergies. Tu n'as pas un problème de discipline. Bon. Quand tu ouvres ta chose, tu dois avoir le plan. C'est-à-dire, je commence comme je suis ici. Après, je vais faire ça. Quand l'argent entre, tu dis peut-être que le mois-ci, je fais telle chose, tel travaux. Le mois prochain, je fais tel travaux. Donc, j'ai précisé que vous n'avez pas un problème de discipline. Je crois qu'il y a l'autre qui a demandé comment se discipliner. Vous n'avez pas un problème de discipline, ma chérie. Se discipliner d'abord pour faire quoi? La discipline vient d'abord avec la vision. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as été attaqué spirituellement. C'est bien pour toi, ma chérie. Et n'essayez pas d'attirer la pitié des gens. Tu ne crois pas en la voyance. Attends, elle te bloque pas donc. C'est pas ce que tu fais ici. N'essayez pas d'attirer la pitié des gens. Vous suivez, non? Papa, tu restes. Dès que tu vois quelqu'un, ta personne demande comment va ton business. Ah, je n'ai même plus l'argent, hein. Je voulais faire tel truc. Planifie. Même si c'est dans 6 mois que tu vas finir d'aménager ton magasin. Vous avez peur parce que vous avez l'orgueil. La peur, c'est l'orgueil. Tu as plus honte que peur. La peur, c'est parce que tu ne veux pas. C'est l'opinion des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est pour ça. On va dire que j'ai échoué. Parce que tu es concentré sur ta personne. Tu commences le baigner, ça ne marche pas et puis quoi? Hein? Si tu as pris le kit de blocage, ne fais pas, ne jeûne pas alors. Si tu n'arrives pas à jeûner, ne jeûne pas pour le moment. Aïcha, moi je ne dis pas le principe pour vous plaire. Et quand tu commences en bas pour monter, c'est comme les escaliers. Continue seulement de monter. Si je suis quitté de 1 à 10, je vais quitter de 10 à 20, je vais quitter de 20 à 50, je vais quitter de 50 à 1000, je vais quitter de 1000 à... Je vous donne le secret qui va faire que tu continues tout de monter. Dans toute ta vie, tu seras en train de monter. J'ai des gens qui me suivent, qui vendent le charbon. Et je les respecte. Il y a un autre qui vend la peau du bœuf. Un jour, il est venu me donner beaucoup de peau de bœuf. On me dit que madame, on est venu me donner la peau de bœuf. C'était les pattes de bœuf. Tu m'avais donné quoi encore là, Yvette? C'était les pattes de bœuf, oui.
C'est le commerce, mamie. Commerce, c'est offrir un service, les gens te payent. Quitte avec la honte. Quitte avec la honte. La peur n'est même pas un démon. Faut laisser ça. Vous aimez trop mystifier les choses. Mon numéro est dans la bio. Mon numéro est dans la bio. La peur, c'est un démon. C'est un démon de quoi? Tu as honte de ce que les gens m'ont dit. Ah, elle est partie en Europe, elle n'a pas. Hein? Elle est partie en Europe, on l'a rapatriée. Hein? C'est tout. C'est ce que les gens m'ont dit de toi qui te font peur. C'est ce qui te fait peur. Tu n'as pas de soucis. Comment faire pour monter dans ton business? Quand il parle là comme ça, tu n'as pas compris quoi? De ce que je parle depuis là, tu n'as pas compris? Je fais les activités, ça tombe seulement. Beaucoup d'entre vous, votre cœur n'est pas pur. Vous suivez? Tu vis chez quelqu'un, tu ne l'aides pas. Je vous ai dit dans ce que j'ai donné comme. Je vous ai montré comment diviser votre argent. J'ai parlé de la dîme. J'ai parlé de donner à ceux avec qui vous vivez. Tu vis chez quelqu'un, tu as jamais sorti 5 francs pour lui donner. Tu crois que son cœur par rapport à toi est bien? Hein? Brie, je vais te bloquer. Tu penses que tu es n'importe où. Tu penses que tu vas. Ça, c'est le spray qui s'appelle Embellis-moi. Votre problème, tu vis chez quelqu'un. Imaginons, tu vis chez quelqu'un. Tu sors, tu pars, tu gagnes de l'argent. Tu viens de mentir sur la somme. Hein? Tu mens. On m'a donné seulement 50 euros alors que tu as eu 200 euros. Parce que tu ne veux pas qu'elle te demande l'argent. Pas avant que la personne ne te demande. Bon, voilà, je sais que tu m'as hébergé sur les 1000 euros que je gagne de moi. Bon, voilà 150 euros. Et beaucoup d'entre vous, vous avez commencé des business parce que vous vouliez imiter les gens. Quand tu fais un truc parce que tu veux imiter quelqu'un, c'est comme si tu mets le carburant limité dans ta bouche, dans ta poche. Bonjour Fifi. Ton carburant va finir en route. La personne sait pourquoi elle a ouvert. Toi, tu es venu pour l'imiter. Et on m'a dit que ça, là, ça passe. L'onglerie, tout le monde fait l'onglerie. On ne vient pas chez toi faire les ongles parce que tu fais les ongles. On vient pour la conversation. On vient pour ton énergie. Certains viennent parce qu'ils veulent te voir, ils veulent voir ton visage. C'est tout. Et on fait le commentaire avec toi. Tu dois aimer, tu dois avoir une belle personnalité. Il y en a parmi vous, vous êtes laide, vous êtes aigrie, vous êtes jalouse. Tout ça sur vous. Vous plaignez tout le temps. Et tu es laide, tu mets au-dessus. Diamant noir, tu seras bloqué. Continue tout d'écrire. Que je tire à bas réel. Les lèvres de filles se sont senties indexées. Généralement, les lèvres de filles ont le cœur noir. Tu vois, ton business va prospérer comment? Quand tu fais l'activité, tu dois aimer ton client qui vient vers toi. Parfois, tu fais un truc, après, tu conseilles encore le client. J'ai mon médecin personnel. L'homme là, est
Quand tu entres dans ses locaux, il ne peut pas te laisser partir comme ça. Et tu sais que... Dis-moi alors, comment ça se passe dans ta vie personnelle maintenant? Hein? Ça va? Tu es sûr? Dis-moi. À part être médecin, il y a des personnes qui viennent comme ça, ils viennent dans ton local, en faisant ses ongles. Tu lui parles. En lui vendant le truc, tu lui parles un peu. C'est comment? Il y a des gens qui vont venir même chez toi acheter le pain seulement pour sourire, le sourire. Où est mon sourire sinon? Oui, seulement pour ça. Apprenez à donner plus. Donnez. Est-ce que j'aurai les enfants avec ma femme? Attends, elle te bloque. Tu ne couches pas avec, tu vas avoir les enfants comment? Me laisser. Comment quelqu'un peut entrer dans mon direct? Tu écoutes pendant 2 minutes, je parle d'argent, de business. Tu me demandes si ta femme et toi, vous allez avoir les enfants. Hein? Fais plaisir aux gens. Tu peux même rester une journée comme ça, tu ne vends rien. Hein? Mais quelqu'un passe chez gentil. Ah, c'est comment? Quand tu regardes, regarde, là, voilà, elle passe. Elle n'est même pas venue chez moi, aujourd'hui acheter quelque chose. Comment? Hein? Le business est spirituel. Le business est spirituel. Et au début du business, tu es testé. Tu es testé. Tu fais au départ, ça ne donne pas. Quelqu'un vient dire qu'il va acheter. Il part, il ne vient pas acheter. La gentillesse, rappelez-vous de vos clients. Rappelez-vous de leur nom. Rappelez-vous de leur nom. Ceux qui ont les employés, traitez bien vos employés. Tu dis que mon sourire peut faire... Tu achètes 3 produits au lieu de 1. Même mes employés vous sourient bien quand vous venez dans mes locaux. Les filles de ma cup sourient bien. Mais on dit que ta voix peut faire que quelqu'un achète 10 produits. Ça, c'est vrai. Pour Mister Me, c'est vrai. Mister Me parle toujours calmement. Je l'ai grondé, fatigué, que parle même fort, non? Salut, ma chérie. On va poster ça aujourd'hui au... Il fallait partir à la gare. Et c'est samedi que j'ai donné aux garçons là. Tu vois, ton sourire manque déjà à tes collègues. C'est ça? Bon, j'espère que vous avez quand même compris tout ce qu'il dit. On a fini, non? Allez mettre en pratique ce que vous enseignez alors. Bon, maintenant, quand vous rentrez le soir, j'avais oublié, j'ai parlé du matin. Donc, tu travailles de 8h à 17h. Tu rentres à la maison, tu prépares, ça dépend. Maintenant, supposons que tu finis tout à 20h. 21h maximum. De 21h à 23h, tu étudies encore. Ok? Miss Temer Christine te salue.
tu étudies encore. C'est ce que tu étudies là. Et tu peux apprendre comment faire les vidéos sur TikTok, tu peux apprendre la comptabilité, tu peux apprendre, je sais pas. Ce que tu étudies là. Who is calling me? Allô? Oui. Oui. Non, il n'est pas fini. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quand t'appelles, tu ne décroches pas. Maintenant, toi, tu vas m'appeler à ton heure. Hein? Oui. Il ne sait même pas, il va regarder. Oui, si je regarde, je valide. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, prends le détail bancaire. D'accord. Bye bye. Bon, moi, je veux dans mon numéro. Oh, c'est vrai qu'il y a la lecture des cartes que je devais faire. Lecture de cartes. Allons-y. S'il vous plaît, mettez T sur tout est possible, pardon. Je vais faire l'étude de cartes. Ceux qui ont besoin de l'étude de cartes, vous restez. Les autres, vous pouvez partir. Sur tout est possible, vous devez mettre T. Tout est S-E-S-T, s'il vous plaît. Mais venez pas me mettre la honte sur mes calendriers, merci. Mes enfants, c'est là souvent. Il faut que l'orthographe, on fait quoi avec vous, non? Oui, tu peux dire. What if I tell you? Et vous voyez, moi j'avais mis T sur ça. Celui qui me fait, il faut dire à monsieur le jeune qu'il faut qu'il arrête avec le faux français. Il ne parle ni l'anglais ni le français, c'est quoi ça? Oh. Quatre personnes approuvent quelque chose, vous ne pouvez pas avoir une faute d'autographe. Parfois vous faites comme si je n'ai pas aussi de vie. Mes employés, c'est là. Tout c'est toujours moi. Bon. Tout est possible à celui qui croit. Je sais qu'il y a T sur ça. Moi, à l'heure d'écrire, j'ai mis T. L'autre papa ne s'appelle, mais il n'aime pas T sur ça. Et tout le monde approuve. Juste qu'on me demande que je pense de quoi de ça. C'est quel genre d'équipe ça? C'est tout le monde qui va venir tout vous montrer. Hop. Oui, mais il va à la fin. Bon, lecture de cartes. Ceux qui ont déjà appelé lecture de cartes, si vous êtes dans le direct ici, là, il faut vous prononcer, s'il vous plaît. Kit fondation, ceux qui ont déjà pris les kits, qui est le kit fondation, il y a par exemple ce que je mets sur moi ici là, ça attire l'argent et j'aime trop ça, ça embellit moi, ça attire l'argent et ça attire les hommes riches, ils enlèvent les voiles sur le visage, les femmes qui ont les voiles sur le visage là. You got the final say. Oui, c'est Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça. C'est le passage que je vais mettre sur mes cartes de... Bonjour madame, vous avez demandé une lecture de cartes sur les calendriers. Donc, c'est 20 000 francs pour la lecture de cartes. 20 000. Bon. Symphorien, bonjour. Donc, madame... Je vais lire pour toi. Il y a beaucoup de jalousie. Tu l'as fait dans le bit, tu l'as fait le business. Bon, je vois beaucoup d'argent qui est en train d'arriver. Pour cette année 2024, beaucoup d'argent. C'est aussi un peu comme si tu vas finalement te lancer. Donc, il y a quelque chose que tu es censé faire, mais que tu n'es pas en train de faire actuellement. Je ne sais pas, c'est comme si tu en avais parlé, mais tu ne fais pas. Tu as peur, je vois la peur.
Autant tu es quelqu'un qui planifie bien les choses. Tu es très stratège. Je vois aussi la connexion. C'est comme tu es connecté avec les astres. Malheureusement, ton entourage actuel te met beaucoup de confusion. Et sur ton cou, je sens beaucoup de lourdeur. Si tu as l'huile de blindage, il faut beaucoup mettre sur, sur ton cou. Je crois peut-être qu'il y a des soit une association, soit il y a des papiers que tu es en train de vouloir faire. Ça va marcher. Tu vois aussi que le business que tu vas faire, c'est quelque chose qui va te permettre peut-être même de travailler avec tes enfants. Oh my God. Deuxième carte de business que je tire. Mamie, faut te lancer. Lance-toi dans le business, s'il te plaît. Si tu as déjà commencé, c'est super. Ça veut dire que cette année, ça va être très fructueuse. Tu es aussi quelqu'un qui est... tu es appelé à faire beaucoup de bien autour de toi. Peut-être que tu as commencé et les gens t'ont beaucoup découragé. Je vois beaucoup de découragement dans ton énergie. Il va falloir que tu te lances, que tu te remettes. Problème de vision. Peut-être tes idées... Tu parais très découragé ces derniers jours. Ok. Papa, tu me connais même. Tu me connais. Une personne qui voit. La tête est bloquée. Je ne veux même rien te dire. Je ne veux pas t'insulter. Il ne veut rien dire. Voilà. Tu as aussi beaucoup de pouvoir dans ta bouche. Mais je vois beaucoup de blocages. Peut-être que tu étais dans une relation où tu es encore et on t'empêche de parler. Pourtant, ta puissance se trouve dans ta voix. Donc, il faut aussi peut-être que tu crées une chaîne. Tu y as pensé peut-être. Tu fais une chaîne où tu vas mettre ce que tu as dans ton cœur, ce que l'esprit te dit de mettre en fait. Donc, tu es censé toucher beaucoup de personnes. Il faut utiliser cela. Pardon, t'en es pas. Bonjour, Suzy. Les lectures sont payantes. Le numéro est dans la bio. TikTok me fait des siennes.